manchette aujourd'hui, la co-porte-parole de Québec solidaire en visite dans nos studios. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 4 mars. Dans le cadre de la tournée des régions de Québec solidaire, les élus solidaires rencontrent et rencontreront plusieurs acteurs des milieux économiques, syndicaux, associatifs, agricoles, ainsi que des élus municipaux des différentes régions. CTRB a pu rencontrer Émilise Lessard-Terrien dans nos studios lors de sa tournée dans Lanaudière. Madame Lessard-Terrien, co-porte-parole de Québec solidaire, nous a parlé de son expérience en politique, de ses choix, de ses projets, tant pour Québec solidaire que pour elle personnellement. Voici donc une première partie de cette entrevue où elle nous parle de son implication comme députée et des enjeux qu'elle a vécu durant cette période. On regarde, on écoute. Je suis en compagnie de Émilise Lessard-Terrien. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être venue dans nos studios. Vous êtes maintenant le co-porte-parole. C'est comme ça qu'on vous présente pour Québec solidaire? Oui, co-porte-parole de Québec solidaire. Co-porte-parole. C'est toute une tâche encore. Là. C'est encore. Vous aviez des grandes chaussures à combler parce qu'on sait que Mme Massé, c'était quelqu'un de bien connu, de public. C'était facile au début? Ben, je le considère que je suis encore au début, ça fait 3 mois, donc oui, les chaussures de Manon Massé, elles sont grandes, mais en même temps, je suis prête à relever le défi, ça a été une décision mûrement réfléchie, j'ai fait campagne pendant 6 mois, ça a été une course assez serrée, mais je suis convaincue que je peux apporter du nouveau à Québec solidaire, apporter une voix différente, une perspective différente. Je vous amènerai la voix des régions. Oui, ben voilà. Important, là, C'est la première fois que Québec solidaire a une porte-parole issue de la ruralité, donc... je pense que ça peut apporter quand même beaucoup à notre parti politique. Je pense que notre projet politique qu'on porte doit s'enraciner dans les régions parce qu'on a des solutions aux enjeux qui sont vécus dans les régions du Québec, notamment. Mais là, il y a tout un travail d'aller à la rencontre de la population, de ramener toutes ces connaissances-là, cette expertise-là que les gens sur le terrain au sein de notre formation politique pour avoir des propositions encore plus incarnées, encore plus alignées sur les rêves, sur les aspirations, sur les besoins des communautés. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la Naudière ces jours-ci, en tournée des régions. Ben, c'est ça. Si on parle un petit peu de votre parcours, bon, vous avez perdu en 2022, mais vous vous étiez présentée en 2018. C'était quoi votre première motivation? Parce que vous avez été élue, vous avez été dans les surprises, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu celle-là, il y a eu à Sherbrooke aussi, il y a eu deux, trois candidats qui ont été élus pour Québec solidaire, que ça a explosé à l'extérieur de Montréal, mais c'était quoi votre première réaction quand c'était arrivé? Bien, en 2018, moi j'ai décidé de me lancer, notamment parce que j'avais été très ébranlée du passage des libéraux. On se souviendra, 2014-2018, dans les régions du Québec, ça a été difficile. Les libéraux, bon, c'était le contexte d'austérité ou de rigueur budgétaire, ont mis la hache dans nos instances de concertation régionale, que ce soit les CRI, les conférences régionales des élus, que ce soit l'abolition des forums jeunesse, que ce soit l'abolition des conseils d'administration de nos hôpitaux, c'était la fusion avec la réforme Barrette. On perdait beaucoup de pouvoir en région. Et c'est difficile quand on est loin de Québec, quand on n'est pas une grosse ville ou une métropole comme Montréal, de faire valoir nos besoins. Et on sentait qu'il y avait une grande perte du pouvoir qui nous échappait, qui s'en allait à Québec, à 800 km de chez nous. Alors moi, j'étais très irritée de ça. Vous êtes impliquée déjà, là? Ben, j'étais un peu impliquée. J'étais conseillère municipale, mais toute récente. En 2017, j'avais un bébé de 6 mois dans les bras. Mais c'était connu, là. Vous n'arriviez pas. Vous n'arriviez pas bonjour. Je dirais que, il y a la MRC de Rouyn-Noranda qui est le gros morceau du comté. Moi, je suis au Témiscamingue. 16 000 de population, c'est une petite MRC. J'étais plus connue au Témiscamingue. Il fallait que je fasse mes preuves du côté de Rouyn, mais ça a été une surprise. Il y a eu une conjoncture favorable à ce moment-là pour Québec solidaire en 2018. Ça a été une grande, grande surprise. Je suis rentrée avec 500 voix d'avance. Personne n'avait vu venir ça. Puis le bébé dans tout ça, comment Solène avait un an au moment de l'élection.
Moi, j'avais 26 ans, ça a été beaucoup d'adaptation. Ça a été un mandat extraordinaire là, pendant 4 ans. Je pense que quand on tombe un peu dans la politique. C'est ça, je m'en allais dire, on a la piqûre. Hein, oui, c'est ça. Qui vient de nous dire que le 800 km et tout, vous aviez l'impression d'être impliqué, les gens vous appuyaient. Beaucoup de. Ben oui, voilà. Puis, tu sais, j'étais le seul comté en Abitibi-Témiscamingue. Il y a 3 comtés. On était les seuls dans l'opposition. Donc, ça donne des leviers, ça donne une voix importante pour la région, pour faire valoir nos enjeux, faire valoir nos besoins. Puis, il y a tellement de gens qui me l'ont dit, on sent qu'on existe à travers ta voix à Québec. Ouais. C'est extrêmement important pour nous. Puis on a des gros enjeux, tu sais, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé, que ce soit les découvertures dans le réseau, encore là, de la santé, que ce soit l'obstétrique, mais on a beaucoup parlé de l'urgence à Sainte-Terre qui avait fermé la nuit, éventuellement le dossier de la Fonderie-Ronde. Mais c'est ça, je m'en allais vous amener. On parle de la Fonderie-Ronde, c'était votre. Je ne sais pas dire, vous êtes porteuse de, vraiment de ce dossier-là qui a mis sur la map, on pourrait dire, encore plus la région et la réalité. Aujourd'hui, ce n'est même pas réglé encore. Non, ce n'est pas réglé encore. Ils ont fait des promesses un petit peu bidons, là, tu sais, je dirais. Bien, le plan qui est sur la table, qui a été adopté il y a à peu près un an maintenant, tu sais, ne permet pas de protéger la santé de la population. Puis oui, ça a été un de mes gros dossiers, un de mes gros chevaux de bataille. Dès 2019, quand on a commencé à avoir les résultats puis qu'on a pris connaissance que les enfants de Rouyn-Noranda avaient 4 fois plus d'arsenic dans leur système que les enfants d'ailleurs. Moi, je suis une jeune maman, je veux dire... Ben, vous dire une grand-maman aussi, là, pour avoir... Oui, bien sûr! Mais, tu sais, c'est facile de me projeter dans l'inquiétude, l'impuissance, l'angoisse des parents, puis, tu sais, de dire, ben, en 2019, à ce moment-là, est-ce que c'est normal que notre santé soit... détériorée par la présence d'une industrie, ça fait... Avec des promesses, avec plein de choses, est-ce que ça va être réalisé? Puis même aujourd'hui, je vous dirais, tu sais, malheureusement, il faut quand même le dire, vous avez été battu sous la foi de promesses que ça pourrait être réglé, mais on ne sent pas que la volonté est là encore. Non, bien là, tu sais, récemment encore, Glencore a annoncé sa possible fermeture devant, bon, l'explosion des coûts. Mais tu sais, pour nous, c'est encore du chantage pour aller chercher plus d'argent pour financer la modernisation de l'usine. C'est un chantage très, très primaire. On devrait avoir des nouvelles sous peu. Mais sur place, dans votre région, est-ce que les gens ont cette vision-là de dire c'est du chantage ou ils se disent ça crée un stress? Là, c'est sûr que ça crée un stress. Ça crée un stress pour énormément de gens, les travailleurs au premier plan, mais aussi aux résidents du quartier Notre-Dame. Ouais. Parce qu'il y a un an, le gouvernement a annoncé dans son plan la création d'une zone tampon. Donc, on va démolir 80 maisons, relocaliser 200 familles pour les éloigner de la fonderie. Donc, depuis un an, il y a 200 familles qui sont dans l'angoisse de savoir où est-ce que je vais aller. On est en grosse crise du logement à Rouyn-Noranda, un peu comme partout. Bien sûr, un peu comme partout, mais ça fait que les gens se disent... Je vais aller où? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ça va être quoi les compensations? Ces gens-là sont laissés dans le flou depuis un an. Et là, finalement, on se dit, oh, est-ce que j'ai vécu de l'angoisse, de la détresse pendant un an pour rien? Puis finalement, la fonderie va juste mettre la clé dans la porte. Ça crée vraiment un climat d'incertitude pour les travailleurs, mais pour les résidents du quartier, pour tout le monde, en fait. C'est vraiment pas facile encore aujourd'hui comme situation. C'est ça. Voilà donc la suite de cette rencontre avec Émilise Lessard-Terrien dans un prochain bulletin d'information sur les ondes de CTRB. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autré. À ce temps-ci de l'année, on commence à penser rapport d'impôts. Eh bien, cette année encore, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, vous offre la possibilité de faire votre rapport d'impôts. On regarde une petite capsule à ce sujet. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garantis, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important
et payant. Un autre service important, donc, du Centre d'action bénévole d'Autré en cette période de l'année. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, aucun anniversaire à souligner en ce 4 mars. Si jamais c'est votre anniversaire en cette journée du 4 mars, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit nos informations à la fin du mois de février. Le service de sécurité incendie, le SSI de la MRC régionale de Comté, la MRC de Dautré, a annoncé la nomination de Nicolas Dumont-Savard au poste de chef de division prévention. Sa prise de fonction est prévue le 11 mars prochain. Monsieur Dumont-Savard a parcouru plusieurs étapes depuis son intégration au sein du service incendie, évoluant du rôle de pompier à lieutenant, puis de technicien en prévention à capitaine, avant d'atteindre le poste de chef de division. Fort de nombreuses années d'expérience, de connaissances approfondies et d'un engagement indéfectible, Nicolas contribuera à la réalisation des objectifs du SSI. Ses compétences lui permettront de relever avec succès les défis inhérents à sa nouvelle fonction, a expliqué André Roberge, le directeur du service sécurité incendie de la MRC de Dautré, par la voie d'un communiqué de presse. Le SSI a également communiqué une réorganisation. Des ajustements seront apportés notamment en attribuant certaines responsabilités administratives à Mme Claudine Rivard et à Mme Binène Adam. Ces changements visent à renforcer le support administratif déjà assuré par ses employés à travers les diverses tâches qui leur sont confiées par la direction du service de sécurité incendie. Nous sommes certains que M. Dumont-Savard ainsi que Mme Rivard et Adam pourront jouer un rôle plus important dans la réalisation des projets du service de sécurité incendie. Nous les remercions ainsi que tous les membres de l'équipe pour leur implication, a complété Gaétan Grevel, qui est le président du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautré et maire de la ville de Saint-Gabriel. On poursuit au niveau culturel maintenant. Marcelo Martin, un artiste, fileur multidisciplinaire, il habite dans sa région depuis 2010. Depuis ce temps, il découvre pour ses loisirs, pour le travail, donc pour le connaître, on le voit un petit peu partout. C'est d'ailleurs grâce à son travail de partage
et de rassemblement communautaire grâce au textile et par la médiation culturelle de discipline textile du patrimoine québécois qu'il s'inspire pour faire ses pièces des pièces uniques et partager sa passion. Selon Marcello, la laine est aussi un patrimoine. Il le justifie pour l'histoire des pratiques du textile et la relation entre la production des moutons sur notre territoire avec nos hivers, pas aussi froids que dans le temps. Donc, un motif de plus pour en consommer. Grand prix Desjardins en métier d'art de Lanaudière en 2023 et nominé pour recevoir le titre de personnalité de l'année 2022 dans l'Action de Dautré, le journal régional, Marcello Martin s'est démarqué en étant le premier fileur professionnel à être nommé membre du Conseil des métiers d'art du Québec. M. Martin enseigne d'ailleurs le filage, le tricot et le crochet au Québec ainsi qu'à l'international. Il a participé à divers projets et événements artistiques dans la région de Dautré durant toute l'année dernière, dont le festival Fou du fil à la Valtrie. Il partage plus que des savoir-faire. Il rejoint par exemple des intersections minoritaires par ses actions. Ses messages portent sur les arts et sur les valeurs qui joindront ces intersections et d'autres comme l'environnement, le développement social. Aujourd'hui, l'artiste vous invite à faufiler la région selon son regard et à la coproduction d'une ancienne amie, Stéphanie Gravel. Elle est aussi une artiste multidisciplinaire, spécialiste en couleurs, en peinture et en teinture. Voilà. Une autre passionnée par le textile s'est donc jointe à cette aventure afin de décrire 12 villes par le tricot. Leur but sont d'inviter les communautés à prendre possession de leur espace. Par la suite, les artistes incitent les Québécois à les découvrir par les laines de notre territoire. Les artistes entendent animer des ateliers intergénérationnels de textiles en laine du Québec pour donner accès à la communauté aux arts textiles et visuels. Ce faisant, ils dirigeront la reproduction des pièces en exposition à partir de patrons que les participants pourront se procurer. Les pièces visent à donner aux participants et à la communauté un sentiment d'appartenance, de valorisation et d'intégration. Faufiler Lanaudière. On sait bien, là, c'est écrit Laine, L-A-I-N-Audière, Lanaudière, est un projet résultat de la Bourse régionale du Calque 2023 que M. Martin a reçu. À ses partenaires, M. Martin résume son projet en trois mots: partage, appartenance et découverte. Par ce projet, M. Martin vise à réaliser, donc avec la collaboration des agents communautaires, de la MRC et des villes, donc une collaboration qui sera essentielle afin d'accueillir, de supporter les participants vers une vision éco-responsable et d'économie circulaire pour le développement socio-culturel des communautés. Donc, si ce genre de projet vous intéresse, on vous invite à contacter les artistes pour les accueillir. L'exposition a débuté le 29 février. Elle se déroulera jusqu'à la fin du mois de mai à Terrebonne, à la Maison Belle-Île, 844 rue Saint-François-Xavier, dans le Vieux-Terrebonne. Le 5 mars, dès 18h, Marcello Martin et Stéphanie feront un parcours explicatif des œuvres à la presse à 17h30. Des activités pour la communauté seront aussi affichées sur le site Internet de la Ville de Terrebonne à partir de la semaine de relâche, donc présentement. On garde le volet culturel présent, donc toujours aussi apprécié. Le camp de jour du Musée d'art de Joliette revient en force cet été, nous dit-on. Du 25 juin au 16 août, l'équipe du musée, l'équipe d'animateurs et d'animatrices dynamiques et enthousiastes, proposeront 8 semaines d'activités artistiques et physiques variées pour les enfants de 5 à 14 ans.
De retour cette année, le camp ADO, qui permet aux jeunes de 12 à 14 ans de participer à des activités créatives, en plus de recevoir une formation d'aide animateur ou d'aide animatrice. Au programme pour tous les enfants, ateliers d'observation et de création, activités artistiques à caractère communautaire et social, jeux extérieurs et rencontres avec des artistes. Afin de présenter les œuvres réalisées par les artistes en herbe, un vernissage est organisé chaque semaine. Donc, le Musée d'art de Joliette invite les parents à visiter son site Internet pour connaître les thématiques et les modalités d'inscription. Les inscriptions donc, débutent ce mardi 5 mars 9h pour les adultes membres du Musée d'art de Joliette et la semaine suivante, soit le mardi 12 9h pour les non-membres. Toutes les inscriptions se font en ligne sur le site Internet du Musée d'art de Joliette. Les enfants de 5 ans doivent avoir complété leur maternelle 5 ans en juin 2024. Le fait d'être membre du Musée d'art de Joliette donne un rabais supplémentaire en plus de la priorité aux inscriptions. C'est l'adulte qui doit être membre. Les coûts varient selon l'âge et la semaine du camp choisi. Donc, pour plus d'infos, on visite le site Internet du Musée d'art de Joliette. Sur ce, passons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitiémoitié.tv. Chaque semaine, deux façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitiémoitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitiémoitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matin le 6 février à 92 ans. Est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 mars dès midi au complexe funéraire Eftério, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Au CHC du Château à Berthier, le 12 février dernier, est décédée à l'âge de 89 ans, entourée des siens, Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour et de feu Rose-Hélène Valois, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. L'ayant précédé ses sœurs, Lucienne Da, feu Gaston Plante, Ghislaine Élise, son frère Florian, décédé dans la petite enfance, elle laisse dans le deuil ses sœurs, frères et belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane, Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe, France Boucher, Lucien Normand, Carmen Robillard, sa filleule Joyce, Jocelyne McKenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage du château pour les bons soins prodigués pendant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Huguette Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD de Saint-Charles-Borromée, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron et Louis Valois, ses petites-filles Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet,
Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Fondation canadienne du cancer, la Fondation du cœur et de l'AVC et la Fondation pulmonaire du Québec sont sollicités. Des formulaires seront disponibles pour ces trois fondations au salon. La famille vous accueillera samedi le 16 mars, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 février à 86 ans, est décédée Mme Claire Marchand, épouse de Régent Latour, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. L'ayant précédé sa sœur Marcel et son époux Gérald Destrampe, elle laisse dans le deuil ses enfants. Anne Latour, Roy Grégoire, Mario Latour, José Chevalier, Denis Latour, José Courchaine. Ses petits-enfants, Kathleen Grégoire, Patrick Collet, Sarah Grégoire, Stéphane Gagnon, Félix Latour, Joanie Robichaud, Camille Latour, Félix Vaillancourt, Antoine Latour, Mélissa Farley, Charles-Hubert Latour, Marie-Ève Blanchard. Ses arrière-petits-enfants, Loïc, Liam, Adriel, Florent, Léopold. Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Carmen Marchand, Denis Bissonnette, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Jean-Claude Latour, feu Lise Valois, son amie Rita Lépine, Paul-Étienne Latour, René Latour, Louise Mondou, feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 mars dès 13h30 au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Claire Marchand-Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 6, un temps ressenti de 3. Lundi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 5, un temps ressenti de 2. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 3. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 12, un temps ressenti de 10. Mardi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 5, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être présent pour le bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télé. Alain Bellumeur au pépitre. On se revoit demain. Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.